Le jeune frère Daniel, ici en photo, serait décédé il y a quelques jours du côté de l'Espagne, après son retour du Cameroun. Daniel est un jeune Camerounais vivant en Allemagne, plus précisément à Berlin. Mais sa maman et ses sœurs sont à Potsdam, pour ceux qui connaissent cela. Donc, selon des sources sûres, Daniel, sa maman et ses deux autres sœurs se seraient rendus au Cameroun pour des vacances de près de 2 mois. Donc, on parle de 2 mois, 4 semaines, 3 semaines, 2 mois. Mais dès son retour, donc, ils ont été visités, ils ont pris des vacances, des congés, ils ont dit pourquoi ne pas. Ils ont fait le tour, ils sont même allés au village saluer la grande famille là-bas, les grands-parents. Mais samedi dernier, ils ont décidé de mettre fin aux vacances et il fallait rentrer sur Berlin en Allemagne. Mais une fois sur place, Daniel décide de faire appel à son père parce que son papa aussi vit en Allemagne. Mais son papa lui annonce que non, il n'est pas sur le territoire allemand, mais plutôt il a pris des vacances pour se rendre en Espagne. C'est ainsi qu'il dira à son papa, il n'y a pas de souci, étant donné que j'ai encore quelques jours de congé avant de reprendre mon service. Faut préciser que Daniel est dans l'armée allemande, du moins était dans l'armée allemande. Donc tu m'envoies juste les coordonnées et je coupe un billet, je te retrouve là-bas, sans avoir prévenu sa maman, bien évidemment. C'est ainsi qu'il va se rendre en Espagne. Et une fois arrivé sur place, il va s'affaler dans le sofa. Et là, il est inerte, il ne parle plus, il ne dit plus un mot, il ne bouge plus. Son papa, en panique, va décider de faire appel à sa maman pour lui faire part de la situation. C'est ainsi que cette dernière va prendre la résolution de rendre compte au service militaire de son fils, qui à leur tour vont immédiatement sonner celui d'Espagne et du coup des services seront rendus au lieu du domicile. Il faut préciser que le papa s'était juste rendu pour des vacances, donc il a pris panique. Mais malheureusement, les secours étant arrivés sur les lieux, Daniel n'était plus de ce monde. Donc la famille est tellement éplorée. Cette jeune dame, cette jeune maman qui perd son fils de la vingtaine après s'être battue durement pour élever ses enfants, Daniel allait porter ses galons au mois d'octobre qui arrive, donc disons dans un mois, son premier galon, il est parti brusquement à la fleur de l'âge, à 20 ans maxi. Beaucoup de courage à la famille. Que l'âme de ce brave soldat repose en paix. C'est vraiment très difficile. Je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de leçons que nous devons en tirer. C'est vraiment triste que ce jeune et sa famille. Je suis sans voix. Que Dieu nous protège. Qu'il veille surtout sur nos enfants. À toi, ma soeur, beaucoup de courage à toi. Que seul Dieu puisse te fortifier. Ah les gars, que dire, que dire. C'est une énième vidéo hein, qui parle de ce même cas-là. Des gens qui vivent tranquillement ici en Bengué, qui décident d'aller au pays pour passer un petit séjour et tout tranquille en famille, mais qu'une fois de retour, perdent la vie comme ça. Voilà. Voilà quelqu'un qui est allé au pays, passer son séjour avec la famille. Ils sont même allés au village saluer les membres de la famille. Peut-être même si tu as bien regardé, là, ils sont allés à la réunion familiale parce que vous savez que le mois d'août, là, si ce sont des gens de l'Ouest, je ne sais pas si c'est seulement à l'Ouest que ça se passe comme ça, mais le mois d'août, là, c'est le mois de retrouvailles. C'est-à-dire que c'est le mois où on parle le plus souvent dans des familles de réunion familiale. Donc, il a décidé d'aller comme ça avec la famille. Quand tu entends aller saluer les membres de la famille, s'il est de l'Ouest, bien évidemment, peut-être qu'il allait à la réunion familiale, il a siégé, il a mangé et tout et tout. Et une fois de retour maintenant, à chose en Espagne, puisqu'il allait voir son père selon l'histoire que la fille raconte. Quelqu'un va se coucher dans le sofa comme ça et puis tout d'un coup, il perd la vie. Vous n'allez pas venir me dire, non, c'est son jour. Vous n'allez pas me dire ça. Que Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Il y a quelqu'un au village même qui a fait le bara. Il y a quelqu'un au village là-bas qui a fait le bara, qui a travaillé sur l'enfant là. Parce qu'il y a des oncles, des tantes, des voisins, je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas, tu ne peux pas pointer quelqu'un du doigt. Tu peux pas pointer quelqu'un du doigt parce que tellement il y avait le monde hein, que tu ne sais pas dire, ah, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Les gars se fondent dans la masse. Ils font le mal et puis ils disparaissent. Pendant même que tu es en train de pleurer là, ils viennent pleurer avec toi.
Ah, j'ai appris que ton fils qui est passé au pays là, ah, on me dit que il n'est plus de ce monde. Oh, vraiment, mon frère, vraiment mes sincères condoléances. Je suis vraiment désolée pour toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu apaise ton cœur. Ce sont tes les premiers à faire ça, hein. C'est-à-dire que tu pleures même là. Ils pleurent plus que toi. Ils s'en vont chercher Sopalin pour venir essuyer tes larmes. Pourtant, ce sont eux qui ont mis la main noire sur votre enfant. Ce sont eux qui ont mis la main noire sur ton enfant. On peut partir au pays et puis retourner, ne même pas faire une semaine et puis rentrer dans la tombe comme ça. Vous voyez les choses comme ça, non? Est-ce qu'on va partir au pays même encore là? Hein? Est-ce qu'on va encore partir au pays là? Je doute, hein? Je doute. Si c'est pas quelqu'un qui a décidé d'aller se marier au pays, qui va plus retourner en Bengue. Hein? Tu quittes Bengue, tu t'en vas te marier. Et puis ton corps reste là-bas. Si c'est pas ça, c'est Bengis qui a décidé de partir, passer son séjour tranquillement en paix, hein, au Cameroun. Et puis, tu retournes, pape net, on tentait. Pourquoi l'être humain est comme ça même? Ça commence à faire peur. Donc, ça fait peur depuis, hein. C'est pas maintenant que ça commence. Ça fait peur depuis. Ça fait peur depuis. On a tous peur. C'est les courageux qui partent même encore au pays. Moi, je me dis ça. Ce sont des courageux qui partent même encore au pays. Parce qu'avec ce qui se passe là, ce qui est médiatisé sur les réseaux sociaux, on en parle tous les jours. Et puis les gens vont au pays, ils s'exposent comme ça. Moi là, quand tu décides d'aller au pays ce jour-là, les proches là, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, même comme on sait qu'on n'est plus en sécurité voilà, on ne sait plus avec qui on est en sécurité. Tu appelles tes proches, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu prends ton appartement meublé. Personne n'est au courant que tu arrives. Hein. Personne ne doit être au courant. Écoute bien. Personne ne doit être au courant que tu arrives au pays. Tu arrives, tu prends ton appartement meublé. Tu installes tes valises. Tu installes tout, 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 tout. Tu vas au marché. Tu t'habilles en hein, simple, simple. Tu vas au marché. Tu fais tes courses. Tu achètes tomates, oignons, riz, pâtes, tout, 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 tout. Huile, tout. Tu ramènes à la maison. Tu prépares, tu manges, tu te reposes bien même. Et puis quand tu te réveilles là, tu prends ton téléphone maintenant. Tu appelles ta mère, tu appelles ton père, tu appelles tes frères, tes soeurs, même père, même mère. Si tu as les demi-frères là, papa, faut même pas les chercher. Même père, même mère. Quand tu as fini de les appeler là, tu dis, ah, est-ce qu'on peut se trouver à tel endroit et tout et tout. Tu les surprends comme ça. Comme ça, ils n'auront même pas le temps d'annoncer au voisinage. Parce qu'il y a certaines de nos mamans là. Quand elles apprennent que leur enfant arrive de l'Europe, là, toute la Réunion est au courant. Toute sa Réunion est au courant. Nos petites sœurs qui bavardent beaucoup, ah, ma grande sœur ou bien mon grand frère vient de l'Europe, hein, la semaine prochaine, hein, donc on va aller le voir et tout, qui sait ce qui nous a gardés. Non, non, non. Tu n'annonces rien. Tu finis de faire tes valises, tu débarques, tu prends ton appartement. Quand tu es bien installé, que tu as bien mangé. Faut pas manger dans les restaurants. Hein. Tu prépares ta nourriture à la maison, tu manges dans ton appartement. Voilà. Et puis tu appelles ta famille. Vous vous retrouvez quelque part, vous mangez, vous vous séparez, ni vu ni connu. Tu leur dis que tu es venu pour 3 jours. Voilà. Par exemple, si tu dis que tu es venu pour faire une semaine, 1 mois, 2 mois, ils doivent même pas voir ton appartement meublé où tu restes. Ils doivent pas voir. Parce que s'ils ont vu là, tous les jours, ils seront devant ta porte. Tu leur dis que là où j'ai tenu à vous rencontrer, bah, ça fait longtemps, c'est plus vu. Donc, vous êtes les seules personnes que moi je dois voir au Cameroun ici. Personne ne doit être au courant. Maman, voilà ton paquet. Papa, voilà ton paquet. Petite soeur, voilà ton paquet. Petit frère, voilà ton paquet. Vous restez bouche bée. Même, ça dit que même la mouche ne doit pas entendre que je suis là. Je repars dans 3 jours. Même si tu as un séjour d'un mois à faire pour tes business et tout, ta famille doit être au courant que tu es là pour 3 jours. Une fois que tu as fini ton business là, en tout cas, une fois que les 3 jours sont passés tranquilles, tu envoies un message. Ah, il est bien atterri, hein. Je suis bien arrivé. Voilà. Et puis tu continues ton business. Tranquillement, tranquille. Tu sors en solo, tu rentres en solo. Pas de camaraderie. Vos camarades que vous avez laissés au pays depuis des années, là. Quand vous arrivez là. En bon entendeur. Comme vous dites à la fin, voilà, que puisse l'âme de ce jeune homme reposer en paix. Voilà, que Dieu fortifie sa famille. C'est difficile. À 20 ans d'âge et être dans l'armée. Allemande, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a un hibou qui était au village qui a vu ça
et qui a dit, ah, mon frère, tu vas pas durer sur cette terre. Et puis qui a douf le jeune homme. Il n'allait pas venir me dire que c'était son jour. C'est un jaloux quelque part au village là-bas qui s'est chargé de faire le travail. Donc soyons vigilants, soyons prudents. Surtout quand on rentre au pays là, soyons prudents. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Ce n'est pas tout le monde qui aime notre évolution. Soyons prudents. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à cette vidéo, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.